vous allez nous faire aujourd'hui? Ah ben, je vais te faire la démonstration de la machine à vapeur. Et t'as eu ça comment alors? C'est un cadeau de mon père. J'ai eu ça il y a, il y a 40 ou 50 ans, oui, à peu près. Donc, je vais démonter le sifflet. C'est ça. Allez, je prends de l'eau. Voilà. Et on va la mettre dans la cuve. Combien faut en mettre à peu près? Il faut à peu près 2 seringues, je pense. Hop. Attends, on va remettre déjà le sifflet. On va refermer la cuve. Voilà. Tout est fermé. On va graisser la roue et le piston. Voilà. Hop, on raccroche sur la roue. On vérifie que ça tourne bien. Bon, bah pour faire bouillir de l'eau, il va falloir mettre le feu sous la cuve. Donc on va remplir le foyer avec de l'allume cheminée. Voilà, on va en mettre pas mal parce que l'eau a dû refroidir. On va mettre le feu plutôt. Voilà, et on va mettre ça sous la cuve pour chauffer l'eau. Il faut attendre que ça monte en pression. Oui, ben là ça chauffe et normalement la pression doit monter dans la cuve, faire de la vapeur et entraîner la roue. Là on commence à voir un petit peu de... Je vais l'aider pour démarrer. Non, il n'y a pas encore assez de pression. Je regarde s'il y a... Là il y a une soupape qui fuit, donc il faut faire en... Voilà, c'est parti. Comme autrefois dans les locomotives. La pression chute, la roue tourne moins vite. Là, la pression réaugmente dans la cuve, donc la roue va tourner. J'éteins la flamme parce que la cuve va être toute noire. Voilà, le train s'arrête. Bon Christophe, il ne te reste plus qu'à nettoyer la cuve et me la rendre comme je te l'avais passé. Ben merci mon Fifi pour cette démonstration pleine de talent. De rien, merci.